faut qu'il pote. Donc mettre gars ça travaille sur tout ce. Faut que vous apprenez tirer tout. On a rien d'armes. Non mais il y a une brigade pour ULCC doit une brigade li pour ça. Donc c'est des monde qui entraîné et li loi dit tout que agent ULCC agent assermenté a capoter zam a fait sans problème pour protéger tête li. Loi dit li. Donc c'est pas c'est bon bagaille qui inventé. Oui parce que m'a regardé dans d'autres pays agent immigration gien zam. Ici agent immigration il ouais Abel Lugin. Alors m'a excusé pour quelques confrères qui a brûlé pour me donner des informations sur deux dénonciations ULCC fait jodi. On ne sait pas qui fait jodi. Non, justement gien Salomon Sedme qui dit ça tout qui m'a dit qui ça expliqué nous obligé porter un dossier dans paquet contre ministre là. Est-ce qu'a expliqué ça? Bon, et bien l'éclair dans dénonciation qui fait là. Par exemple, agent ULCC estimé que gagné entrave à fonctionner en cas de fonctionnement pour travail. Or, dénonciation qui fait là justement, c'est ça le dit, estimé ministre il fait entrave et à bon fonctionnement la justice. Et article qui cité c'est article 21 loi 9 mai 2014 là, c'est loi qui créait qui prive qui prévenit et puis qui sanctionnait, qui réprimait corruption. Loi 9 mai 2014 là. Alors, article 21, mais ça le dit. Titre là, c'est de l'entrave au bon fonctionnement de la justice. Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans. Tout individu. Non, faut voir qu'on dit est puni d'emprisonnement. Non, ça. Le prison semblait comme si son nez capant ou peint. Non, et pas moi qui dis non, c'est texte. Non, mais texte a dit ça. Les gens qui sont prudents, sont des gars qui ont pas l'île. Non, mais. Bah, pas l'île. Non, mais. Et vous posez une question. Oui. Bon dénonciation. Il y a une prison là-dedans. Ou dit yo font dénonciation contre ministre qui explication. Alors nous dit qu'il y a article puisque enquêteur ULCC yo gain procès verbal gain tout document yo. Est puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans tout individu qui entrave le bon fonctionnement de la justice. Qui jon ka entraver bon fonctionnement de la justice? Petit A. Le fait de recourir à la force physique, menace, subordination, intimidation ou bien promettre, ou bien offrir, ou bien bailler avantage qu'on pas ta doué fait pour joindre faux témoignage. Attention. Radio Omega. Pour joindre faux témoignage. Ou bien pour empêcher ou moun al témoigner, ou bien présenter élément preuve non procédure qui en cours dans ULCC qui un rapport avec une ou bien plusieurs infractions. Pas barré ULCC. Loi, pas barré ULCC. Ou bien des moun qui travaillent avant quoi fonctionner l'État. ULCC gagne des soupçons, gagne des informations. Li mando li gentiment ba li. Mettez moun sa ou disponible. Pour juste font ti parler avec eux son question. Ou c'est livré, livré. Ou pas doit camper devant la justice, yes. C'est camper, c'est livre, et pas même livré, c'est permettre. L'on dit livré, al capable de bailler. C'est bailler. C'est permettre moun nan présenter. C'est ça article 21 dit. Tire 2 et moi, le fait de recourir à la force physique à des menaces ou à l'intimidation. Jean-Ronny Célestin a fait là. Pour entraver le cours des enquêtes en rapport avec la commission d'infraction visée par la présente loi. Et puis, dernier petit C a dit, le fait de refuser sciemment et sans justification, ça veut dire choisir pourquoi ou mettre sous dos ou refuser pour justification ou bien pour fournir information à document dans le cadre enquête ULCC a mené dans la question corruption. Donc, enquêteur ULCC estime que c'est obstacle, ça a rejoint. Donc, ils font dénonciation, non pas qu'à Port-au-Prince, contre ministre des Affaires étrangères, M. Bokchitebon. Deuxième. Dans des Bokchitebon, je dis matin, qui parlait sous magique. Alors, vous deuxième, non, comme vous premier, vous ministre. La deuxième, non, c'est Kirby Alcante. Eh bien, enquêteur ULCC rejoint. Citoyen ça, il a pu utiliser plusieurs identités. Vous cantez la parole. Citoyen ça, il a deux passeports diplomatiques. Citoyen ça, lycée, un citoyen dominicain. Non, l'éclair, belle dominicano. Puisque nous baille numéro cédoulal. Faut moins rappeler là, c'est important. Hein? Déjà là. Oui. Ou te baille déjà, c'est important que me rappeler lui parce que. Bon dominicain. Et public là qui a. Non, moi même pas les affamés, monsieur, bon dominicain. Il doit connaître ça qu'a fait là, c'est dans le cadre de la loi, puisque c'est sa texte là, il dit. Donc, citoyen ça, justement, lycée Kirby Alcante. Monsieur, numéro, c'est d'où là, monsieur, qui montre que c'est dominicain, c'est 224-00-36-12-1-2. Donc, non seulement monsieur a plusieurs identités, monsieur c'est citoyen dominicain, et en même temps, tout son diplomate haïtien. Monsieur une activité commerciale.
non, convention de Vienne interdit ça. Donc monsieur non, monsieur n'a pas import export, il n'a qu'une entreprise Saint-Domingue, les entreprises dans plateau central. Monsieur en contravention à article 109 code pénal là. Donc c'est ça enquêteur ULCCO. Mais est-ce que le ministre va au courant de ça? Bon, monsieur sont dominicains. Ça loi fait interview à ministre là ou a mandé ça. Mais ça c'est constat enquêteur ULCCO fait et on fait exactement ça la loi mandé. Ça veut dire est-ce que le normal pour un citoyen à utiliser trois noms, même citoyen ça son citoyen dominicain, bon, même citoyen ça son diplomate haïtien, même citoyen ça en activité commerce. Trois noms monsieur Gayo, monsieur Gonon qui est le Kirby Alcante, c'est non ça qui sous passeport. Dans rapport et chargé d'affaires l'affaire en dans rapport elle dit machine là c'est pour Kirby Alcante désormais. Ça veut dire que ça fait deux noms, Kirby Alcante dans passeport, Kirby Alcante désormais et monsieur Gonon l'autre nom qui c'est Kirby Alcantara des hommes. Bon nom c'est Kirby Alcantara parce que papa monsieur relé Bambinos Bienvenido Jiménez Alcantara. Avait dit non papa monsieur. Yo fait plateau central. Maman monsieur, m'gèl relé Céline des hommes. C'est en fait forme claire avant. Maman monsieur c'est haïtienne, papa monsieur c'est dominicain. Mais monsieur gagné document pièce qui clairement identifie le comme dominicain. De bouquin cédou là, ça veut dire que monsieur sont bon dominicain, pur dominicain. Et sous garde oreilles, monsieur, d'ailleurs, style oreilles, nous, mes haïtiens, sont oreilles couchées. Et dominicains, on a oreilles légèrement campées. Ça veut dire bon dominicain, ok? Bon dominicain, mais qui fait office de diplomate et lycée deuxième secrétaire dans l'ambassade là. Pas oublier, non? L'on est deuxième secrétaire dans l'ambassade, il veut dire exactement ça veut dire. Or, et monsieur pas comme monsieur aucun rapport avec question diplomatie parce que son est qui dans business qui dans commerce qui dans affaire etc. Comme Laurent Lamotte t'es parlé en époque de diplomatie d'affaires par contre dans cadre ça monsieur Vini kounya gon question d'un meilleur c'est demander monsieur les a poser qui j'en fait arriver là mais c'est toute question et puis l'autre bagarre encore tout question ah oui c'est toute question ça ULCCT voulait faire clair et puis machine là côté monsieur acheter machine là qui l'a acheté par exemple madame Judith Xavier ou dans des services secrets dominicains te font ti kembel parce que machine là pour les a te gon problème puis ce sont machines qui sont enquête jusqu'à présent machine n'a pas ni bon côté l'état ici ni bon côté l'état dominicain jusqu'à présent machine là nan mais la justice dominicaine donc le scandale ça a fait qui a atteint l'image pays c'est justement rôle ULCCT le qualifié d'office pour les fonctionnaires ça pour dire ça qui passe. Oui, il y a des gens qui disent pas gain droit et la justice qui pour là va ULCC. Non, c'est justement mission ULCC pour ça ULCC créé même. Depuis qu'on bagaille qui casse sale image l'état. Oui, depuis oui. Qu'on soupçon de corruption, depuis qu'il y a question de drogue qui parle. Et pas qu'on vérité comme c'est des paroles nous tendez. Mais ça qui est clair c'est que il était intercepté véhicule diplomate là t'as piloté et jusqu'à présent les sous compte la justice dominicaine. Pas vraiment de ça madame n'a parlé. Bon. Ça nous désolé même. Parce que ou même ou c'est on dans structure d'avoir pas enquêteur non pas même là pour t'entendre même si me dans enquêteur m'pas d'accord dire rien dans ça non voir ou pas là dans audition dame non d'ailleurs c'est pas mission non c'est pas mission qu'on quoi faire que enquêteur qui l'a pour ça et en dans USC c'est sûr que aucun monde va le dire mon cher mais ça dame dit ça va exister non c'est gars cementé clair et au cas pour section contre lui hein non arrêtez le même OK arrêtez le mettez dans prison il pas gain droit et violer ce que professionnel là voilà et bon petite précision ça tout important pour tout porter Henri pendant dit là concernant article 18 à article 19 là gain des confrères relim qui dit mais non et confidentialité ULCC pas ta doué fait qu'on est etc. n'a dit que ULCC pas violer aucun principe confidentialité et femme tout dit yo principe confidentialité qu'a parlé à c'est pour directeur général là principe confidentialité a mandé directeur général là li gain obligation pour que enquêteur qu'a travaille dans quatre dossiers yo fait preuve de confidentialité yo respecter le secret professionnel obligation ça c'est pour enquêteur c'est directeur général là doit veiller sur ça parce que gain des confrères gain des amis qui mal interprété non mais pas rien dit pas rien sorti et article là et faut que nous dit tout ULC c'est pas mettre en rien dehors ULC c'est a fait ça la loi dit exactement de préciser ça pour ça important ça important parce que ça pour confrères métropole ça Judith dit enquêteur yo va pas prendre là yo va prendre là oui non ULC c'est pas gain droit faire ça il pas ça pas jamais arriver ça c'est correspondance clair sur ça quel que soit monde quel que soit monde qui t'a pris une chance fait ça par légèreté ou bien par n'importe qui ça l'a fait face à la loi mais gars sans clair sur ça Isaac Forel il dit pas nécessaire pour le parler il gagne un travail il a fait moi même job sur question de communication ça t'en décret fait mon yo tandel fait yo habitué avec fait yo garder fait yo lire pour que l'ULCC a avancé pour personne pas dit c'est persécution c'est show off c'est politique tout ça ULCC a fait l'a inscrit en dans décret ça créé ou bien en dans loi
2014 là qui prévenit et qui réprimait question corruption. Donc il faut le clair pour tout le monde. Tout dit pour confrère ULC, c'est pas mettre en rien de ni pas violer aucun principe confidentialité. Nous qu'a constaté nous tout capitaine de là, gon note gon première note ministère affaires étrangères qui dit que ULCC écrit pour mandel mettre quelques fonctionnaires disponibles pour tendre dans cadre. Mais où quel débat yo? Bon deuxième note ministère affaires étrangères sorti pour le dire et que li mandé moun sa yo mettre yo disponible pour ULCC c'était jodi a. Pour ULCC tendre yo. Maintenant gon troisième note nous constater ministère a sorti qui est étonnant pile moun pour le dire que il va comprendre étonnamment ULCC lancé avis de recherche etc. Donc tout le monde constate c'est ministère qui sorti plusieurs notes sous question une contradictoire par rapport à l'autre mais ça pas fait ULCC ni chaud ni fret puisque dans toute situation la loi dit ULCC qui ça pour le faire par exemple fonctionnaire qui doit venir jodia qui pas venir la loi dit enquêteur gagné pour dresser un procès-verbal de carence pour dire mais ça que tu dois faire mais qui invitation non, mais, fait, mais qui réponse qui te bail ça pas fait. Et puis, il a cheminé le bail qui de doit pour non, mais on se compte, ça veut dire que Dominique est toujours deuxième secrétaire. Ah, ça c'est ministre, là, vous demandez. On ne parle pas ministre. Mais sans son auditeur, sûrement la côté émission, là, et ministre Bouchit, la côté émission, là, il y a des bails peut-être qu'il décadit nous. Salomon, est-ce qu'on est édifié? Il y a des bails, il décadit nous. Mais il faut me clair avec tout le monde, c'est que. ULCC te ka aide nous résoudre vraiment un paquet de problèmes. ULCC te ka gérer un paquet de problèmes pour nous. Nous pas ta même besoin comme si elle prend la rue, fait manifestation, etc. Vous comprenez? Tant qu'on prend le ULCC, on va. ULCC te ka checker. Ou le Yabdo Michel Martelly, bon bail, il construit bon la mer. ULCC te ka checker. Par contre, quand on regarde l'ULCC, c'est votre plainte. Dit moi Michel Matéi de président Gontiba il fait l'autre bois là bon la mer il a c'est checker pour moi nous pour ça passer là si ça au dégage aujourd'hui pas monsieur Goumé non hein vous comprenez dame là par ou gain des sénateurs qui gain pour gasoline ou des sénateurs par exemple qui gain de gros maison en veut en voilà gon sénateur là bon au nom du qui a toujours fâché ensemble avec moi au nom du rentrer Port-au-Prince sorti port de paix li font ti descendre elle rend chaud pendant 2-3 jours et il bat j'ai comme ça l'aime garder moi monsieur gon gros caille hein non et Vivi Mitchell belle piscine monsieur a belle en pile a belle à mauvais bon bonne amie balai qui dit non yo avoir là oui et on aime de dire parler l'argent yo casé monsieur dans même là solide FM bon bagaille ça veut dire que dès qu'a mandé c'est checker au nom de Dieu moi garde ça qui passer là parce que moi monsieur gon belle Kay la fait là checker parce que avant il a nèg magique nèg sénateur de la République et puis qu'il a pour que tout baï ça yo tandis que bon bonne monde qui a passé misère pendant longtemps pour capable font ticket qui pas joindre moi dit trop monde porter bourré en dans l'état yo prend ramasser toute bagaille yo et puis gon l'autre groupe qui pas joindre rien c'est un peu fort souffrir c'est ça oui qui met dans situation justement c'est parce que gon paquet monde en de rentrer dans l'état fouiller mais yo qui prend l'argent. Ok, quand riche tête yo et que tout le monde campé à garder yo et puis gomba mremen dans les godou ou y a goumé pour peuple là ou passer peuple dans bêtise mon cher et puis et au gomon jodou tant que Fritz Jean lui te dit l'autre jour que depuis gain 12 ans l'a touché 100 dollars il t'a touché plus comme que la comme il t'a 100 dollars t'a fait le gain 12 ans famille pas de café grand papa avec papa pas de carte gain l'argent ça. Ok, pour justifier que depuis l'argent ça c'est avec l'état était serré 100 dollars ça était serré aujourd'hui elle ça rien là vous cantez la parole combat contre corruption Claudie Gazanvina Jovenel Moïse président de la République mettait choisi Claudie Gazan comme directeur ULCC mes amis si job là fait pour qui ça gagne barricade pas obligé gagne barricade tout le monde a plein pays a gagne corruption et ben on tout gérer ça. Pour qu'il faut ministre là quitter Mounio aller devant enquêteur yo pour poser aux questions parce que qui j'ai fait bon, si madame Xavier Judith pas de prendre machine là nous t'es capable jamais connait gondo pas gagne dit que pas gagne des allemands des français l'autre qualité moun qui travaille dans qui se représente nous non si Judith pas de faire ça le fait là
nous pas jamais connait gain nèg dan k'ap travaille qui dans ministère là ou bien k'ap travaille dans ambassade qui a blanchi l'argent gain nèg k'ap lever $80,000 US dans des banques République Dominicaine et puis nèg a dit mon chien c'est diplomate cause vinn comme ça gain nèg k'ap acheter gros machine à gauche à droite ça yo fon konnen yo. Mais si nous voulons jouer une occasion, ça, bon, moi, je regrette que quelqu'un qui dit c'est code personnel, mais attendez, le ministre a parlé de ça. Il y a des bails, c'est code personnel, etc. Mais, moi-même, je ne vais pas défendre X ou Y. Même pas quoi que le gars, ça te fait une combinaison avec Jésus Xavier pour dire, prends machine, non, pour me faire tout ça, non, bagaille, je ne vais pas quoi. Vraiment, pas quoi ça. Ça veut dire que son cac vient tomber devant monsieur. Et comme la nature, le karma, le bon gel fonctionne sur les faits mon mal. Bon côté quand même la virée vient jouer nous. Même parce que le président de la République il était dit le pays a gain 5 problèmes. Corruption. Et mais je dis à mais ULCC commence à se quoi pour ramener mon à l'ordre, moi mandé pays à chaque citoyen bon, nous pas même besoin prendre là oui encore pour résoudre problème ça, porter plainte et puis venir là. Et pour nous, c'est celui-là. Quand tu précises sur l'article 12, l'âme d'Aïm, il est pas long. Article 12, décret créé ULCCA. Pour les besoins de leur travail, alors il a parlé de agents assermentés ULCCA. Enquêteur. Pour les besoins de leur travail, ils sont autorisés à utiliser toutes les techniques modernes et tout procédé qu'ils estiment utile à la constatation d'une infraction. Toutes les techniques modernes, ça veut dire, quand il y a une enquête qui a mené son question, pour suivre ça qu'a fait au téléphone ou qu'a sous écoute. Ça qu'a arrivé comme fonctionnaire et ou a travaillé dans l'institution et que ULCC a une information besoin, agent ULCC vini, ordinateur ça, tout donné qui est là-dedans, il a requéri, il a réquisitionné, la loi permet de faire ça. Il a vendu un petit drone sous la CAO pour le garder, pour le contrôler. À l'aise. Et au besoin, il a requéri la force publique directement, sans que le pas passer par personne. Mais il fait dans tout pays, ça avec ce pays. Mais dans tout pays. Mais ici, il n'y a pas de connaître si ULCC a un rôle, ça a une mission, ça a pile monde qui pas de connaître. Et on a des gens qui ont dit des bagages, c'est parce que justement, texte là, il n'y a pas l'île. Mais immédiatement, lit texte là. Ou garde article 2, ou garde article 4, ou garde 11, ou garde 12, ou dit 4. Si yo ba, si institution ça arrive, rempli mission, il y a un problème qui a pris. Justement, le pape gagne. Ça veut dire si vous avez constaté, par exemple, Jovenel Moïse, président de la République, dans un petit bagage. A fait ça la loi dit. Il y a ces quatre gars. Il y a ces jobs. Débousser fonctionnel l'État. A fait pas un pas un titre, pas un rampe. Débousser fonctionnel l'État considéré aux employés ULCC. Ok. Débousser fonctionnel l'État.